Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Salam alaikum. Je vous ramène aujourd'hui une recette salée en alterne. Comme ça, on aura plus de recettes pour le goûter et pour le manger. Alors aujourd'hui, une recette express du riz avec des pilons de poulet, mais façon différente. Très très bon, trop bon ce riz. Je suis sûre que vous allez aimer. Alors, quand on décide de faire du riz, bien sûr, on le met à tremper très tôt le matin, si on le fait pour le midi. J'ai nettoyé mes pilons, je les mets dans ma cocotte, je rajoute kebab ou ras el hanout comme épice, poivre, sel, ail en poudre, poivre noir et une grande cuillère de moutarde. Et de l'huile bien sûr, et je vais mettre tout ça à mijoter très bien. Tout le goût du riz, c'est dans la façon de faire mijoter les pilons. Mon riz est dans de l'eau, je vais le faire rincer plusieurs fois jusqu'à éclaircissement de l'eau. Je les fais cuire dans de l'eau salée. Et là, les pilons, j'ai fermé la cocotte, j'ai baissé le feu au sifflement, 15 minutes, et je les ai enlevés. Et c'est la sauce. Alors, avant de fermer la cocotte, j'ai mis un verre d'eau, hein, faut pas oublier. Et là, j'ai retiré les pilons, je vais les faire passer dans de l'huile et du beurre. Voilà. Alors, je répète. Les pilons, je les ai fait mijoter avec de l'huile et tous les épices et l'ail. Après, j'ai rajouté un verre d'eau et j'ai fermé ma cocotte. Au premier sifflement, j'ai baissé le feu et j'ai laissé à feu moyen pendant 15-20 minutes. Quand vous ouvrez, vous avez la petite sauce et vous enlevez les pilons. Vous les passez à l'huile et le beurre comme j'ai fait ici dans la poêle. Juste pour leur donner une belle coloration. Voilà. Là, mes pilons sont dorés. Mon riz est cuit toujours dans de l'eau et du sel après avoir bien rincé le riz. L'huile qui est restée dans la poêle, je vais la faire passer au passoir. Comme ça, s'il y a des eaux ou quelque chose, des impuretés, ça s'enlève. Je remets un tout petit peu d'huile, de la même huile donc, dans la poêle. Je mets mon riz. Alors si vous le préférez coloré en jaune, c'est là où vous rajoutez le colorant alimentaire dans l'huile, pas avec le riz mais dans l'huile. Là je mélange et je passe aussi au passoir la sauce des pilons que je rajoute sur le riz après qu'il soit devenu translucide. Donc je le passe dans l'huile, je mélange, je rajoute la sauce. Voilà. Et après je mélange. Si j'ai besoin encore d'un peu de sauce, je rajoute. Sinon, n'en mettez pas beaucoup parce qu'après le riz va être collant. Voilà, je mélange. Et c'est tout. Mélangez quand même bien, comme ça tous les grains de riz s'enrobent de sauce et de l'huile, d'un peu d'huile qu'on a mis. Je vous conseille de rajouter ici, à ce stade-là, une pincée de poivre noir. Vous allez voir, le riz va être relevé un tout petit peu, mais très bon. Je goûte pour l'assaisonnement. J'ai pas rajouté du sel, ça va, tout va bien. Et encore, j'en ai rajouté hein, un tout petit peu. Voilà, je mélange et je vais servir dans un grand plat familial. Aujourd'hui, on mange tous ensemble et je vais décorer avec les pilons de poulet. Voilà mon riz, trop bon, trop facile à faire. Succulent. De toute façon,
il était terminé le jour même, au midi, il n'y avait plus rien. J'ai mis une petite feuille de basilic. Et voilà, bsaha ou raha. C'était la recette d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.